Orlando Furioso. Quand Vivaldi fait de la folie une musique. Le chevalier Orlando, trompé par les pouvoirs magiques d'Alcina, est le héros malheureux de cet opéra de Vivaldi. Au centre d'une intrigue amoureuse, il sera ébloui par la lumière aveuglante de la jalousie, jusqu'à perdre la raison. C'est le triomphe de Vivaldi, le plus grand musicien de Venise. Des airs à la virtuosité vertigineuse, des mélodies captivantes, un orchestre incandescent. Un voyage dans l'Italie du XVIIIe siècle. Théâtre des Champs-Élysées, Marie-Nicole Lemieux est un ouragan de force dramatique et de fougue vocale pour incarner l'un des grands rôles de l'opéra baroque. Philippe Jarouski et Jennifer Larmor sont tout aussi éblouissants sous la direction irrésistible de Jean-Christophe Spinozzi. Décor minimal, lumière crépusculaire, la mise en scène crée une Venise de cauchemar. Orlando Furioso, au Théâtre des Champs-Élysées, follement passionnant et sensuel.